Alors nous aussi, dans 5 mois, on y sera, avec une liste de travailleurs et de travailleuses, de jeunes révoltés par le capitalisme et tous ses ravages, et qui veulent le renverser. Mais si on y sera, c'est que pour mieux faire entendre les revendications et aspirations qu'on porte au quotidien dans toutes les luttes, mais pas que. On y sera pour porter la voix des étudiants grecs qui se bagarrent contre la privatisation de l'université, partout en Europe, à part l'école du tri social, des moyens, des recrutements, pour une école émancipatrice, y compris et même surtout pour les enfants des travailleurs. On y sera pour porter la voix des cheminots allemands qui mènent des grèves pour aller chercher 500 euros par mois en plus sur les fiches de paye. Plusieurs accords ont été conclus entre la Deutsche Bahn et certains syndicats, mais les travailleurs n'ont rien lâché de leurs revendications. On y sera aussi pour porter la voix des travailleurs anglais qui ont renoué avec des grèves concomitantes entre différents secteurs, de l'école publique à la poste en passant par les transports. Le Royaume-Uni, c'est plus dans l'Union européenne, mais notre continent est notre patrie. C'est la classe ouvrière en lutte, où qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. On y sera aussi pour porter la voix des femmes polonaises qui se sont battues pour obtenir et défendre le droit à l'avortement. En France aussi, c'est un combat, parce que constitutionnel ou pas, pour qu'un droit soit autre chose qu'une vague promesse, il faut imposer les moyens qui vont avec. Et plus encore que ce pourquoi nous luttons au quotidien, c'est un autre projet de société qu'on défend. Un projet où celles et ceux qui font tourner la société décident démocratiquement de tous les choix politiques, de ce qu'on produit et de comment on le produit. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Et cette société où ceux qui produisent sont ceux qui décident, on l'appelle le communisme. Et ça passe par le renversement du capitalisme, l'expropriation des grands groupes et des banques pour les remettre au service de la société tout entière. Utopiste, peut-être, à voir. En tout cas, on cherche à changer le monde et on en est fiers. Car ce qui nous attend, si on laisse les rênes du pouvoir au maître du monde actuel, c'est la dystopie. En plus de tout ce qu'on a soulevé ce soir, l'exploitation qui augmente, les inégalités qui s'envolent, les appétits guerriers qui s'aiguisent, les racistes qui arrivent au pouvoir, il y a le bouleversement climatique. La responsabilité du mode de vie des plus riches et des modes de production tournés vers le profit est écrasante, tandis que les conséquences pèsent naturellement sur les plus pauvres, sur les populations des pays du Sud et sur les travailleurs du Nord. Incendie au Chili, inondation au Pas-de-Calais. Alors oui, les capitalistes qui sont au pouvoir sur l'ensemble de la planète ont fait preuve de leur échec de leur système à assurer la survie matérielle de l'humanité, mais échec moral aussi de leur prétendue civilisation. Et ce qu'on dit, c'est que maintenant, c'est à nous, les travailleuses et les travailleurs, de prendre les rênes de ce monde. Alors, travailleurs et travailleuses de tous les pays, unissons-nous. Il y a urgence à nos luttes, urgence à la révolution.